Frères et sœurs, c'est vraiment une grande joie pour moi, en ce début de mon ministère parmi vous, de vous souhaiter pour la première fois une bonne et sainte année 2021. Je vous souhaite plein de bonnes choses de la part du Seigneur, pour vous-même, pour vos proches, dans votre cadre familial, dans vos engagements divers, associatifs, par exemple, bien sûr, dans votre vie professionnelle, et puis aussi, bien sûr, dans vos engagements d'église. Alors, c'est vrai que cette année, les vœux ont quelque chose d'un peu particulier, puisque nous venons de l'année 2020 qui a été quand même un peu compliquée, et puis l'année 2021 est quand même pleine d'incertitudes avec cette pandémie qui n'en finit pas. Je dirais que finalement notre spécificité à nous chrétiens, c'est quand même l'espérance, c'est cette petite flamme que le Seigneur a allumée en nous et qui est une flamme qui ne s'éteint pas. Ça veut dire que, quels que soient les aléas de la vie, que nous puissions connaître des réussites ou parfois des échecs, des moments de joie, mais aussi des preuves, nous savons que fondamentalement, le meilleur est devant. Et comme dit saint Paul, pour ceux qui l'aiment, Dieu fait tout contribuer à leur bien. Alors je vous souhaite vraiment d'accueillir cette espérance qui est un don de Dieu à accueillir, peut-être aussi de la partager autour de vous. Je crois que pour une part, notre monde est un peu en déficit d'espérance. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne et sainte année. J'en profite aussi d'ailleurs pour vous remercier pour l'accueil chaleureux, fraternel que j'ai reçu, que je reçois encore parmi vous, ici dans ce beau diocèse. Voilà, donc bonne et sainte année, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous.